Hey, 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Et sans attendre, nous allons reprendre nos petites missions. Cette mail, ça va, ça commence à devenir un peu moins, de plus en moins, hein, bon. Salle de bain et atelier, maison à rénover, demandez nettoyage de la maison, peinture dans la maison, chantier de nettoyage du garage, maison kitsch, je vous demande de m'aider, je paierai. Vincent Tronchet. Bonjour, je suis une personne d'un certain âge et depuis des années, je loue mon appartement à des étudiants. Malheureusement, cette année, ça s'est très mal passé. Je suis tombée sur des gens malhonnêtes. Ils ne payaient pas à temps, alors je suis allée voir ce qui se passait. Dès que j'ai passé la porte, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Aïe aïe aïe. Toute la maison était dégueulasse, les canettes partout par terre, de la boue, des bouteilles, et eux, ils étaient couchés par terre dans la cuisine et ils picolaient. Super. Je les ai avertis que j'allais les mettre dehors puisqu'ils ne payaient pas, alors ils ont payé. Mais il s'est avéré que pour avoir de l'argent pour payer, ils ont vendu tous les radiateurs à la ferraille. Ah, les fameux radiateurs. Ils ont vendu les meubles et ont récupéré et ramené à la maison la moitié de la décharge. Oh, ils ont même eu le toupet de demander que je leur rembourse la caution. Nettoyer tout ça, ce n'est plus de mon âge et c'est trop pour mes nerfs. Je vous demanderai donc d'avoir l'amabilité de vous en occuper. Wouch! Ok, alors si c'est ça, on est mal barré. Nous voilà dans la maison. Attention. Ok. Va procéder par étapes, hein. On va ouvrir cette petite porte-là. Ok. C'est du grand nettoyage. Hop. Waouh. Oh. C'est super, regardez-moi toutes ces bouteilles là. Ok, ah si, encore un truc là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. C'est une bonne moyenne, hein, on va pas se mentir. 12 bouteilles. Waouh! Ah, mais non, mais non, mais non, non. Non, non, je veux juste. Mais je veux juste bouger le. Excusez-moi. Oh, il y en a encore ici. Mais c'est pas. Moi, je veux juste débarrasser du sac poubelle, s'il vous plaît. Mais. C'est pas possible. Ah, c'est pas ce que je voulais, hein, monsieur. Moi, je veux juste débarrasser. Ok, on va mettre ça là. Ah, voilà. Alors, on en avait 12. On va raconter. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 12. Mais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder à la dernière bouteille? Alors, 12, voilà. 12. Mais ok, c'est bon. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3. Je vais peut-être compter trop vite, je sais pas. En tout cas, ça me fait 23, mais ils étaient 2. On peut dire que ça fait. Ah! Une bonne moyenne. Toi, on va te tourner. Hop! Et on reviendra nettoyer après. Hop! Ici. Ok. Ah, mais c'est une super grande maison! Oh là là là! Il y a les paquets de clopes et tout, quoi. Ok, et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 et 12. On est toujours sur un petit chiffre de 12, hein. Ok. C'est super. Il y a combien de chambres dans cette baraque? Ouh, la salle de bain. Oh, elle fait rêver. Elle fait rêver. On va continuer. Oh là 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 là. Non, j'ai pas envie d'aller par là. Il y a encore une porte ici à ouvrir.
Oh, il y a deux salles de bain. Mais celle-là, il suffit juste de nettoyer et d'installer un truc. Et cette porte-là, c'est encore une chambre. Mais elle est immense, cette baraque. Bon, c'est vrai que avec beaucoup d'étudiants comme ça, c'est sûr qu'ils font la fête, hein. On pense le rire. Ok. Ah, il y a encore un petit carton ici. Mais il n'y a pas de... il n'y a pas de bouteille ici. Oh, bon, on est obligé d'aller là, hein. Oh, en plus, il y a vache de... Oh, cafard. Et j'aime pas les cafards. Je n'arrive pas à les choper, les cafards. Mais... Oh my god! Oh my god! Oh putain. C'est pas comme ça qu'on a les gens. Mais je veux pas ramasser, je veux jeter. Oh là là. Oh, j'ai pas envie de compter le nombre de... Oh! Alors, on va essayer d'être un peu meilleur que la dernière fois parce que franchement, j'étais nulle à chier pour les cafards. Il y a la moitié qui se barrait sans arrêt. Ok. Je suis trop nulle. En tout cas, c'est un putain d'aspirateur. Attendez, on va essayer de choper ceux qui partent là. Ok, encore un coup. Ah mais putain, j'arrive pas à m'appuyer, m'approcher. Hop. Ok. Ok, je pense que là, j'ai niqué le premier nid de cafard. Il y en a encore un là. Oh. Oh. Il faut avoir le cœur accroché quand même. On dirait que j'améliore mes skills en cafarditude. Voilà, on est... ou pas d'ailleurs. J'ai du mal. Ah ouais, mais je sais pas, j'ai envie d'aller dans l'autre sens que dans le sens que je vois. C'est très bizarre. J'ai détruit le nid de cafard. Ouais. Mais il en reste quand même pas mal, hein. J'ai détruit le nid de cafard. Il y en avait 6! Oh la vache! Wouh! Alors... On va reprendre la main. Oui, une, deux, trois. Vingt. 32 pour l'instant. Oh, ouais, ça... Cinquante-quatre. 80. 87 bouteilles. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 bouteilles dans cette seule pièce. On est d'accord, hein? Il n'y en a plus. Pouh! Alors, on va attaquer ici. C'est pas possible. Oh là là. Là, je compte pas. Il y en a trop. Attendez. Je vais sauter. Ça ira mieux. Avec la petite musique qui va bien derrière qui nous dit que... Oui, non, mais ça va. Oh là là, il est encore là. Bon, si vous avez le courage de tout compter les bouteilles, vous me le dites. Hein, parce que là, franchement, on détient un record, hein. Ok, je pense que là, on peut dégainer notre super balai de la nettoyance absolue. Voilà, regardez, il est hyper rapide, le balai. C'est franchement d'accord, quoi. Personne n'a envie de vivre dans un taudis pareil. Hein. Un truc aussi crade. Bon, j'espère qu'on n'a pas... Non, je veux pas nettoyer les vitres. Non, pas les vitres. J'ai fait les cafards, on n'est pas obligé de faire les vitres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est obligé de faire la vitre, on est obligé de faire la vitre. Non! Ouh. Ouh.
Oh, ça va, je m'en sortais mieux. Un petit peu mieux. Voilà, on va renettoyer la vitre. Voilà, non, là, par contre, j'ai fait un mauvais départ. Chouk. Viens ici. Ok, c'est bon! Ils sont gentils. Donc ça, monter les équipements. Ah, effectivement. On peut acheter le petit radiateur. Oh, ranger. Est-ce qu'on range plus? On va améliorer notre balai. Hein, tant qu'à faire. Installation. Petit radiateur. Oui, et on installe le radiateur. Toujours dans la bonne humeur. Je vous avais dit quand même que c'était la monnaie du jeu, le radiateur. Comme quoi, j'avais pas tout à fait tort. Voilà! Ici, on est à 100% de cette pièce. Tant mieux. Moi, je range pas, hein, après, au bout d'un moment. Pas déconner, hein. On va ressortir le super balai. Version améliorée. Oh, il est jaune! Oh oui, la vache! Il nettoie même à 3 km d'ici. Waouh! Oh, c'est un super balai de la mort. On a trop de la chance de l'avoir, ce balai. La petite tache ici. Il n'y a rien ici. Oh là là, oh là là, comme il nettoie bien. Oh, waouh! Waouh! Après, le balai sur les comptoirs, comme je dis, c'est pas forcément toujours la même. Toujours la bonne idée, hein, mais bon. Dans le jeu, ça passe. Surtout le coin cafard là-bas, là, derrière le frigo, hein. Ouh. Ce balai. Je veux le même. Je sais, hein, je l'ai déjà dit, mais y a pas photo, quoi. Allez, on est reparti pour une vitre en plus double, double taille. Et attendez, c'est plus le même machin. Voilà. Ah, si, en fait, j'ai trouvé comment on va vite. En fait, je fais juste des, je fais juste de droite à gauche et puis on se pose pas la question. On va racheter ça. Attendez, je ne suis pas bien. Non. Voilà. Ok, installe. On est bien, on est tranquille, hein. Ici, il faut pas. Non. Je vais ouvrir un petit peu, non, pour aérer. Ce joli. C'est beau, hein. C'est. Que je ramasse, allez. Suis quelqu'un de sympa. Voilà. C'est bon. Ici, c'est fait. Ah, 98% des salissures. Salissures, je sors le balai. Effectivement, elle était cassée, cachée en dessous et pas cassée. Donc là, on a fini pour cette pièce. On va faire le couloir. Tant qu'à faire. Là. Mais ici après pareil, c'est que du nettoyage, ça devrait être rapide. Enfin, nettoyage, effectivement, j'avais oublié qu'on devait installer un truc. Monter les équipements 2. D'accord. Je vais dévisser avant. Et on va installer un petit évier. Eh, si je tape pas sur la bonne truc. C'est sûr que ça va pas aller. Non, c'est pas installation. Salle de bain. Évier à installer. On va mettre le plus basique, hein. On va pas se prendre la tête non plus. Hein. Ok. Ah, oh, c'est de plus en plus rapide, ma foi. Excusez-moi. Excusez-moi, madame. Oui, le petit bitonio là. Le petit bitonio là. Tac. Et tac. Ça. Ça. Touk, 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 touk. Le petit siphon. Et c'est parti. Et ici, monter les équipements. Ah, on a encore un chauffage de salle de bain. Dans installation, c'est celui-là. Allez hop!
parce qu'on est bien sympa, mais en même temps on sera bien payé si derrière, donc moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Oui, c'était bien la vis. Et là. Ok! Cette pièce-là, on est bien, on a tout fait. On est parfait. Tu vas fermer la porte puisqu'elle est gérée. On va aller ici. On va sortir notre méga balai de la mort. Là, pareil, on va juste réinstaller un petit. Oh, et puis il faut nettoyer la vitre. Oh. Petit radiateur. Monter les équipements, nettoyer la fenêtre. Nya. Casser les pieds, oui, avec vos fenêtres. Voilà. Ça vous plaît, hein? On va mettre un radiateur. Alors, on va mettre celui-là. Hop. Ça va de plus en plus vite, hein. Les réflexes sont là. Ils nous habitent. Heureusement parce que c'est vrai que c'est long, hein, sinon. Allez, on va nettoyer la fenêtre. Ça, c'est mon joujou préféré. Allez, youhou! En fait, je n'osais pas faire de trucs trop grands avec ma souris, et en fait, c'est ce qu'il faut faire exactement. Donc, j'ai compris! Voilà, voyez, moi, il me faut du temps, mais une fois que j'ai compris, hein. Hop. Oh, celle-là, elle est un peu plus compliquée. Mais bon! On est à 100% dans cette pièce! Youpi! Allez, au revoir! Ici, c'est le couloir. J'ai pas nettoyé ici, je sors mon méga balai. Et je suis sûre qu'il y a encore les radiateurs. Sacrés étudiants quand même, hein. Bien dégueulasse ces gosses, hein. Hop. On repasse un coup comme ça, là, et en bas, si j'y arrive. Chouk! Voilà. On passe à l'autre fenêtre. Ah oui, moi, c'est les entreprises de nettoyage de vitres. C'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Et on va installer encore un radiateur. Hein, parce qu'on aime ça. Il veut pas que. Je me recule pour l'installer, sinon ça va trop. Je suis trop gros. Le jeu lui-même dit que je suis trop gros. C'est sympa. Hein. 80% des salissures. Mais quoi? Mais quoi? Ah, ça doit être derrière le lit. On va donc sauter. Oh. 84%. Je ne vois donc pas tout sur ma petite map. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Maintenir et passer. C'est bon? 96%. Ah, ça y est, c'était caché comme le steak. Pouf, celle-là c'est fait. Ici aussi c'est un brin de lavette. Hein, regardez-moi ça, c'est magique. Tout est propre en moins de 5 minutes. L'entreprise Shirley. Si vous avez du caca dans votre salle de bain, appelez-moi. Ça ne reviendra pas. Allez, un petit nettoyage vite parce que ça ne m'avait pas du tout manqué. Hop. Et hop, voilà. Et on va installer encore une fois un radiateur, mais c'est pas possible. Ça me stresse ces radiateurs, vous imaginez même pas. En tout cas, je vous avais prévenu dès le début du jeu qu'il y aurait beaucoup de radiateurs. Hein. Puis là, on se fait illuminer. Ok, et il faut des vis. Un lave-linge! Ouh, mais ça c'est nouveau, hein? Un lave-linge. Donc ce sera pas ici, c'est
dans électroménager. Lave-linge. Oui, c'est pas trop cher, 247. On va l'installer pour une première. Alors, ok. Parce que. Faut bien cliquer sur le bon bazar, sinon il ne voudra pas le jeu. Ok, on enlève la plaque. On enlève les boulons. Ah oui, c'est ce qui tient le tonneau. Enfin, le oui. Là, ce truc-là, là. Voilà. Il roule, maintenant on peut remettre, c'est ça? Oh, t'es sérieux? Faut revisser le bazar. Ça me prend un peu la tête, ce truc-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah! Bref, faut... Hein? C'est pas très évident, votre truc, hein. Ça, c'est le truc de raccordement d'eau. Ok! Nous avons fini pour cette pièce-là également. C'est super. Ici, c'était bon. Ça, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, je vais peut-être retourner là, puis je vais fermer, parce qu'en plus, il va commencer à faire nuit. Ici, je ferme. On retourne ici. On sort le super balai de la mort. Voilà. ⁇ 94% des salissures, c'est ici. On est à 100%. Nettoyez la fenêtre. Miam. Vous savez à quel point j'aime ça, hein? Vous êtes habitués maintenant. Les cafards et les fenêtres. Là, c'est franchement le truc auquel je n'excelle pas forcément, mais... Il n'y a qu'une seule fenêtre! Oui! Il n'y a qu'une seule fenêtre. On va prendre le fameux radiateur encore une fois. C'est chiant. C'est chiant, mais bon. Installe. Hop! Non, E. Oui, mais je m'écourais. J'avais pas appuyé sur la bonne touche. Hop. Et ici, on est à 100% aussi. Wouh! C'est quand même du boulot tout ça. Dernière ouf pièce. Voilà, ça c'est nettoyé. Oh, les vitres elles sont dégueulasses. Les tags, on les nettoie, on les dégueulasse, j'allais dire. 80% des salissures, comme on les voit pas, s'il y en a une là, par terre, là-haut. Ça c'est nettoyé. Excusez-moi, je saute. 90% toujours des salissures. En même temps, je suis pas du tout là où ils me disent d'aller. C'est ici. Ah bah oui, sur la fenêtre. Ok, 100%. 100%. Et on va remettre un radiateur. J'en peux plus, hein, des radiateurs. Oh. C'est le dernier, j'espère, celui-là. Ouh. Ça aurait été un épisode full radiateur, quoi. Faut aimer, hein. Mais bon, ce sera mieux quand je ferai les maisons. On arrive à 60 000 euros. Enlever les ordures, 96%. Ah oui? Pourquoi il n'y a pas tout? Ah, peut-être que c'est le poster, non? Ouais! Et les fenêtres? Peindre avec les couleurs blanches. Ah, mais il y avait de la peinture aussi! Bah, dis donc. Ça sera mieux parce que c'est vrai que cette couleur-là, c'est pas trop top. Ok. Et non, c'est la fenêtre ici. Hop! Donc je disais, on arrive à 60 000 euros pour les pour de compte en banque. Donc peut-être que bientôt je ferai la première maison à rénover.
puisque la plus basse, elle est à 26 000 et ça veut dire que j'aurai quand même pas mal de thunes pour refaire tout l'ensemble à l'intérieur. Mais ouais, peut-être que le prochain épisode sera un premier achat. Qui sait? Oh, homme à tout faire. Monteur, plâtrier, carreleur. Est-ce qu'on ca montage 100% plus rapide? Plâtrage 100%. On va améliorer le plâtrage, hein, c'est plutôt pas mal. Et on va peinture. Le blanc, s'il vous plaît. Prendre l'outil pinceau. Et on va être parti pour la petite peinture qui va bien. Oh, la vitesse! Et ben voilà! Elle a la meilleure tête, hein, sans même. Bah d'accord, mais vous voulez pas que je vende mon truc? Voilà pour cette chambre qui a été repeinte en blanc et on a fini, je pense, la mission. Non, 5 tâches sur 6. Oh, il y a une cracrasse, attendez. C'est à l'intérieur qu'il y a une crasse encore. Regardez là. Oui! Hop! Petit balai magique. Voilà, j'ai le chantier qui est terminé à 100%. Donc on va pouvoir rentrer à notre baraque. Regardez comme c'est joli. Le soleil se couche, la nuit arrive. Et on a terminé et on récolte 5 790 euros! Et c'est pas mal du tout! Et de retour à notre petite maison. Et je pensais donc peut-être faire l'extérieur d'ici la prochaine fois. Et puis peut-être qu'on s'installera sur notre prochaine maison. Et qu'on vendra celle-ci. Hein, pour changer un peu de point de vue, quoi. Je vais aller faire mon petit dodo. Moi, je vais vous laisser là. Hein, et je vous dis donc rendez-vous très bientôt. Donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de House Flipper. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit mot, un like. Et puis abonnez-vous si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Salut.